Bonjour à tous, c'est Grégoire Gauthier pour le 4e épisode de ce Let's Play sur le Ducé de Coscane sur Crusader King Croix. Donc, si au cas où vous auriez oublié, la dernière fois, nous avions eu la déesse Mathilda s'était éteinte à cause d'un petit problème médical et nous allons donc maintenant jouer le duc Ludovic de Toscane. Enfin, nous allons surtout jouer les membres du conseil qui parce que évidemment, un gamin de 5 ans ne peut pas vraiment gouverner un ducé tout seul. Donc, l'intendant va peut-être se faire virer. Je voudrais vérifier un petit truc. Ah non, il ne peut pas se faire virer, sinon... Ah, sinon, ça serait un peu la blouse. Bon. Ouais, donc, les membres du conseil vont se répartir les tâches pendant un petit moment, on va dire. Donc, les premières tâches, donc les membres du conseil vont s'efforcer de totalement réunifier le ducé de Toscane en commençant par récupérer les territoires que m'ont emprunté mes petits frères et sœurs. Donc, en commençant par lui. Donc, nous allons tout de suite déclarer la guerre à notre petit frère. Voilà. On a pour 5 minutes top chrono. Donc, on lève l'écrou. On accélère un petit peu. Voilà, les groupes sont prêts. Il n'y a plus qu'à les envoyer. Voilà, c'est bon, c'est bon. Bon, on va remettre en vitesse 3. 4 pour faire un peu plus vite. Et pendant ce temps-là... Et ben pendant ce temps-là, on va attendre que notre personnage arrive à 6 ans. Oui, mais je sais, je vais m'occuper de vous après. D'ailleurs, tiens, je vais m'occuper de vous tout de suite. Transférer le vassal. Ah, donc il transfère un vassal. Donc papa va devenir mon vassal. Merci. Donc pendant ce temps-là, on va se débarrasser de la princesse Mathilda pour donner quelqu'un d'un peu plus compétent. Et ensuite, nous allons faire céder des trucs du côté du Calberto de Lombardie. Voilà, c'est parti. Très bien, donc nous reprenons. C'est bon. Pensez à revoir ou à mettre vidéo à la baisse ou utiliser. Moi, il faudra peut-être falloir vérifier un truc. Ou peut-être que je commence à manquer de place sur les ordi. Ah tiens, j'ai enfermé quelqu'un. Là, toi, t'es mon prisonnier, toi. Vous êtes quelqu'un de dangereux, monsieur le comte Hulberto de Panne. Mais comme vous êtes un membre de la famille... Bon, et comme si c'était... Je crois qu'on va laisser tomber et qu'on va s'occuper d'autre chose. Donc toi, tu vas plutôt fabriquer une revendication comtale sur la grande cité de Pise. Voilà, c'est parfait, si elle réussit. Et pendant ce temps-là, on va vite surveiller nos prisonniers. Quête terminée. Donc conseil, militaire, cours, prisonnier. Donc toi, qu'est-ce que tu... Ah oui, c'est vrai que toi, tu es plus... Attends. Bon, allez. Je te laisse sortir, mais si c'est ça. Voilà. Bon, ça fait 50 heures supplémentaires. Bon, maintenant... On gagne un rang de splendeur. Et maintenant, mais tiens, pour que ça aille plus vite, faut que je pense à son commandant. Ah oui, c'est vrai, j'ai personne pour s'occuper de ça, c'est génial. Bon, enfin, on a pas pour longtemps. Ouais. Bon. Allez, appuyez les dédisances. Voilà. On a eu pour 5 minutes top chrono. Disperser les armées. Bon, maintenant, on va leur attendre que ça remonte un petit peu. Okay.
Imbriquer une revendication. Ah, et je crois que le personnage a 6 ans, donc on va éduquer cette fois. Bon, voyons, en martialité. Donc Bruno, tu vas t'occuper du prince. Et je vais passer à l'intérêt éducation martiale. Voilà. Parce que franchement, t'es un très bon personnage au coup. Et tiens, d'ailleurs aussi, on va te nommer médecin. Voilà. Bon, maintenant, on a découvert le secret d'Adèle. Qui ne va pas nous servir à grand chose, je suppose. C'est bon, faut qu'on la faire santé, on va dire. Quoi? Hérétique! Hérétique! Bon. Allez. Ah, voilà. Un petit chien, c'est bien. Bon, je vais l'appeler. Je vais l'appeler Sokoul. C'est comme ça que s'appelait mon ancien petit chien. Donc, toi, t'es aussi une enfant autoritaire. Ah tiens, là, ça tombe. Ah, c'est la première fois ça. Allez bien. Bon, ben... Ah, en plus, c'est un sable noir. Bon, ben, moustache, ça me l'air. Et donc, le sable donne de l'intrigue et de l'érudition. C'est plutôt bien. Et quoi? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, non merci. Non, je préfère être éduqué par mes propres hommes, si tu vois ce que je veux dire, monsieur l'empereur. Bon, allons voir. Ouais, c'est bon. Ah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait une encyclopédie. Je ne l'avais pas encore vu. Donc pour l'instant, on va se contenter d'apprendre un petit peu. Bah, faudrait quand même que. Ouais, faut quand même que je me fasse apprécier par mon évêque. Ouais, quand même, un rapace, 125 d'ors. Ouais, bon, enfin, tant pis, c'est pas le choix. Ouais. Faut qu'il m'apprécie un peu plus celui-là. Bon. Ouais, faudrait être débile. Empereur Emrys attaqué par le roi Philippe, le roi de France. On continue. Bon, très bien, très bien. Bon, on va passer en x4 pour que ça se serre un petit peu. Peut-être même en x5. Ça me laisse le temps de vérifier un truc. Ah, c'est gentil, ça, c'est gentil. Bon, voyons. C'est parfait, c'est parfait. Bon, alors, d'abord, on va faire une petite pause, parce que je pense que maintenant...
Voilà, on va pouvoir récupérer à ma petite sœur ce petit territoire qui devrait être à moi. Il y a un temps. Ouais, dommage qu'il n'y ait personne qui soit fort en arbustieuse. Dommage, on avait un vent, mais c'est pas difficile. Bon, allez, du coup, on va pas s'en faire. On va repasser en 3-4. Voyons, voyons, voyons. Nous allons reprendre du Seigneur Toscane. Nous allons bientôt totalement le faire. Parfait, il y a plus de rats. Donc il y aura peut-être un peu moins de peste noire. Ouais, putain. Bon. Allez, toi tu vas t'interrompre les cultures. Bon, alors, martialité. Salut Sorette. Bon, de toute façon, la guerre est terminée. Je sais pas si c'était terminé là. Disperser tout. Bon. Parfait, parfait, parfait. Bon, ben, je pense que, étant donné une minute, je pense qu'on peut... Ouais, 12 minutes. Bon, je pense qu'on a le temps de refaire encore un petit peu. Donc, nous avons un bonus de santé. Nous avons libéré des rats. Nous avons un sien. Bon, pour l'instant, ça va, ça va. Bon, on va réaccélérer un petit peu. Toujours pas prendre la meilleure attendant? Non, toujours pas. Ouais, il faut faire ce qu'on a, quoi. Canal nocturne. Quoi, quoi? Bon, ben, les ça, un ça, un sien, et pas de ronzeur. Sont deux trucs qu'il faut pour le bonheur. Un ça, un sien et un 11. Tiens, d'ailleurs, ça, ça fait penser. Bon, oui, merci, merci. Donc, construire une propriété, on peut pas. On a des années de carrière. Qu'est-ce qu'on pourrait construire pour nous renforcer? On va construire une caserne. Et elle sera finie dans 3 ans. Donc. Oh non! Ah, ça m'avance pas du tout, ça. Bon, ben, tant pis. Eh merde, je suis bisexuel. Enfin, bisexuel, ça peut encore aller. Qu'est-ce que tu veux? Oh, espèce de...
C'est marrant ça. C'est marrant parce que justement, j'avais déjà vu. Donc, petite pause. Donc, il est temps d'aller. Parce que je vais avoir besoin d'un hameçon si je veux pouvoir être apprécié par le duc de Provence. Ouais, parce que si je veux avoir. Moi. Moins 54. Ouais, moins 54. J'ai le croc à compenser. J'ai la foi et tout ça. Ouais, mais aucune chance. Je sais, c'était pour regard. Bon, est-ce que ça tourne toujours? Bon, je crois qu'on arrêtera vers 20 minutes à peu près. Bon, en attendant, toi, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, ben, je crois que je vais travailler dur. Et donc, j'obtiens le cré confiant. Ce qui fait que je suis cré doué en diplomatie avec mes vassaux. Ouais. Bon, ben, je vais attendre qu'elle revienne puisque je suis confiant parce que... Oh non! Ah, mon sien est revenu. Oh, oh! Merci du coup, sorti. Bon, parfait, j'ai gagné 2 pièces d'or et... Ah là, voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Comment as-tu osé, espèce de vilaine gamine? Non, le conseil n'acceptera jamais. Allez, il est temps de rassembler les groupes. Bon, on mate cette petite révolte et ensuite... Bon, attendez, voilà.